C'est parti. Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui je suis avec Laura parce qu'on va parler Negroni et la plus grande fan de Negroni que je connais c'est... mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Un cocktail solide en très masculin. Voilà, ah, voilà. Les clichés. Donc on a quand même décidé de faire un cocktail, un Negroni plus féminin. Alors que ça n'a aucun sens, les cocktails masculins féminins n'ont aucun sens d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et donc voilà, on a réfléchi quoi, on a travaillé ça une petite demi-heure. Et on a trouvé, bon c'est pas trop emmerdé pour le nom, on vous le dira à la fin. Voilà, la petite surprise de la fin. La petite surprise. Voilà, on va préparer un Negroni à la fraise. Mais c'est pas avec des fraises, parce qu'on est complètement hors saison, on aurait dû se retrouver un peu avant, mais bon. Alors on va faire ça à la chambérisette. Donc c'est Dolan qui fait ça, vous connaissez mon amour pour la marque. Et c'est un vermouth dry avec de la fraise, tout simplement, de la fraise des Alpins, de la fraise des bois, de la... du bon produit. C'est toi qui vas le faire, hein, Negroni. Hein, vas-y. Non, je laisse le mettre... Vas-y. Alors, oui, mais 300 ml de gin. Gin Alpha Spirit, hein, les copains. Alors. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup. 300 ml, c'est jusqu'en haut. Est-ce que je vais avoir 300 ml? Voilà, monsieur. Si. Mais pas mal. Non, mais c'est bien, ça fait un petit appel vidéo à Emeric et Rudy pour qu'ils m'en envoient une autre. C'est bien. Ah ouais. Alors qu'il boit tout de suite en fait. Et voilà, c'est fini. La même quantité en Campari. Donc pour l'instant, on part sur une base Negroni vraiment. Et ce qui va changer, c'est le vermouth, le sweet vermouth, qu'on va remplacer par la chambérisette. Et c'est pour la chambérisette, par contre, on n'est pas à 3 centilitres, on va être à 4. Ouais. Donc là, t'as un trait, mais ici. Il est très intelligent ce Jigger parce que le trait tu l'as de l'autre côté et pas à l'intérieur. D'accord. Donc je te laisse gérer. Alors attends. Voilà donc 3, 3 et 4. Donc ouais, voilà. 30 ml, 30 ml, 40 ml. Ah. Ouais, une très belle couleur, j'adore. Et la glace. T'en occupes ? Vas-y. Pour la glace, on y va à fond. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite vidéo bientôt là pour vous montrer qu'il faut mettre beaucoup de glace. Une expérience vraiment physique ou chimie, je sais pas trop. Encore un petit peu. Voilà. Ouais. Juste pour faire chier les gens qui me disent que je mets trop de glace. On regarde la dextérité. Donc on mélange une quinzaine de secondes. Pendant ce temps, on va le faire. On va mettre, alors, en fait à la base, on n'a pas mis de l'orange, on a mis le citron vert parce que pour la couleur, on s'est dit vert et rouge, ça va claquer. Ouais. Et en fait, avec le citron, c'est 10 fois meilleur le citron vert. Ouais. Parce que fraise, citron vert, forcément, ça nous... Voilà, c'est imparable. Donc, on cale une rondelle de citron vert. On essaye de ne pas faire ce que je viens de faire, voilà, comme ça. Et vous avez votre... Chambroni. Chambroni. Le nom qu'on a trouvé. J'assumais pas le nom, c'est pour ça toi qui l'as dit. Alors, le chambroni, pourquoi? Parce que chambérisette, ça vient de Chambéry. C'est une revisite de Negroni et on est vraiment mauvais pour trouver un nom. Voilà. On a mis plus de temps à trouver un nom que le cocktail en lui-même. Voilà. Donc voilà. Je te laisse... Ah non, quand même. Donc, mon point de vue, l'avantage, c'est qu'on ressent bien l'amertume du Negroni, moi qui adore ça. Et il y a ce petit arrière-goût de fraise. Ce petit arrière-goût féminin. Voilà. On continue avec les guillemets. qui vient en bouche un petit peu. Moi, j'adore. Hein. Ouais. Franchement, ouais. J'adore. Parce que, en soi, on n'a vraiment pas dénaturé le Negroni dans le sens où ça reste une base de vermouth. La chambérisette, ça reste une base de vermouth. Bon, dry vermouth, pas sweet vermouth. Mais voilà. Bon, ouais. Mais... pas des enculés. Ouais. Bon. Alors bah voilà. C'est bien, on fait la photo Instagram et après on arrête. C'est bon, ça marche. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération, j'ai pas le choix, je suis obligé de le dire.
Sauvez Sailor Moon, abonnez-vous. Voilà. À mercredi prochain.